après il y a eu l'idée de mettre un brevet de foire et Trashtop 2 dessus, je crois. Donc c'est une pièce unique. Hein. La base, c'est un Mercedes G. Vous voyez, le Mercedes G, c'est un peu le 4x4 carré, un peu rudimentaire. Hein. Et Marc Deschamps l'a transformé dans ce véhicule, qui est une pièce vraiment unique, qui s'appelle un Intruder, du nom de l'avion. Et l'intérieur a été aussi réalisé par les celliers de Cerizet et de Turin. Alors c'est une pièce unique, hein. Les pneus viennent aussi du département sport prototype de chez Michelin. Ce sont des pneus prototypes. La voiture est fonctionnelle, c'est un 5 litres V8 qui est dessus, et c'est vraiment une pièce unique. C'est... Regardez le travail et la finition pour un prototype, on est sur une maquette. Tout a été fait à la main. Je me souviens, moi, quand j'allais chez Olivier Sorino à Turin, j'ai voyé Marc Deschamps à l'époque, le bureau était juste ouvert, sur un châssis de Mercedes G, et il avait mis juste une chaise à l'intérieur pour les balader dedans. Et en fait, ça donnait la naissance à ce véhicule-là qui est quand même extraordinaire. Toutes les pièces sont des pièces prototypes.